à une autre année qui s'ajoutait au secondaire. Puis je savais pas du tout à quoi m'attendre. Les deux premières années, il a fallu que les deux fois j'aille au secrétariat pour demander s'ils ne pouvaient pas me changer de casier parce qu'à chaque fois, j'avais cette voisine-là qui était toujours en train de me donner des coups de porte de case. J'étais à l'intérieur du casier. Puis, il faisait noir, je me sentais à l'étroit. J'avais l'impression qu'il faisait vraiment chaud. Puis, je voyais les trappes d'air. Je savais qu'il y avait de l'air qui rentrait, donc... J'avais pas m'inquiéter de ce point de vue-là, mais en même temps, j'avais peur que si je criais, que j'allais prendre tout ce qu'il y avait. Puis je me disais, si je crie, là où est mon casier, s'il n'y a pas personne qui passe, personne ne va m'entendre. Puis là, je me demandais comment je vais sortir de là. Tu sais, dans les films, il y a tout le temps l'ami ou quelqu'un qui passe puis qui vient aider, mais là, je me disais, on est dans la réalité. J'avais pas vraiment beaucoup d'amis, puis je me disais, je vais sortir comment? C'est quelqu'un qui va se rendre compte que je suis pas là. L'intimidation, en fait, c'est un jeu de pouvoir. C'est le principe de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre dans le but d'avoir un bénéfice. Ça peut être un bénéfice d'estime de soi, ça peut être un bénéfice de recevoir de l'argent, recevoir des choses matérielles. Ça peut être plein de choses, là. Mais en fait, c'est vraiment de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Ça se répète aussi, là. C'est pas quelque chose qui va être nécessairement... Une fois, il faut faire la distinction, moquerie, l'intimidation aussi. En fait, l'intimidation, c'est souvent un jeu d'estime. En fait, les gens qui font de l'intimidation ont souvent des problèmes d'estime, mais aussi les intimider. Donc, c'est plus facile de prendre le pouvoir sur quelqu'un qui a un problème d'estime que pas du tout. En fait, il ne prendra pas de pouvoir sur quelqu'un qui n'a pas de problème d'estime. Donc, c'est vraiment important de travailler les deux dans les deux sens. L'intimidateur va chercher un pouvoir sur quelqu'un d'autre parce que... Il a besoin de se glorifier, il a besoin de quelque chose, là. Fait qu'il y a un besoin derrière ça qui est lié souvent à un problème d'estime. La même chose pour l'intimider, il va pas se faire intimider. En fait, il ne deviendra pas un intimidé s'il n'y a pas de problème d'estime parce que les gens vont. L'intimidateur ne va pas être capable de prendre le pouvoir. C'est plus simple de prendre le pouvoir sur quelqu'un qui a un problème d'estime. Bien, pour moi, l'intimidation, ça a commencé vraiment. Je dirais secondaire 1, secondaire 2. Surtout en secondaire 1. Secondaire 1, ça a commencé par tu portes un chandail rose, tu n'as pas le droit de porter du rose, ça te fait pas bien, tu portes du blanc, ça te fait pas bien, ou bien tu te fais écœurer parce que tu étais en rose, tu te fais écœurer parce que tu as des bonnes notes, tu te fais écœurer pour ci. Comme il arrivait des petites choses, on checkait mes numéros de combine des cadenas, puis t'arrivais le lendemain ou le matin ou l'après-midi, puis ton cadenas était ouvert. Sans qu'on se fait voler, où tu te faisais justement pousser tes portes, tu te faisais vider tes choses. Puis, ça n'arrêtait pas juste à l'école, ça pouvait continuer quand je débarquais de l'autobus. Me faire traiter que j'avais les cheveux gras, que je ne me lavais pas la tête, que je n'étais pas bien habillée. Puis ça, c'était quasiment tous les jours, là. C'était, il n'y avait pas une journée où je n'avais pas un break, où je n'entendais pas une niaiserie. En secondaire 1, ça a été beaucoup marqué. Secondaire 2, ça tassait un petit peu, mais ça continuait quand même. Puis, tranquillement, pas vite, ben, tu deviens agressif, tu sais plus à qui faire confiance, tu danses un peu. Puis là, tu te dis, ah, oh, gars, ben, là, si tout le monde m'écœure, ben, je vais prendre ma place aussi. Fait que tu commences par écœurer un d'autres jeunes plus fragiles. Tu commences à regarder un petit peu tout ce qui se passe, là, tu sais. Puis tu te dis, ah, oh, gars, ben, lui, il est plus fragile, ben, je vais l'écœurer. Il y a plus rien de te stress parce que tu passes ta journée à te faire tomber dessus. Puis là, tout d'un coup, whoop, là, ça peut être comme on me disait, ça peut être une porte de case qui t'arrive un petit peu trop proche de ton territoire. Tasse-toi de là, c'est ma place, je prends mes affaires, tu me nuis. C'est à mon tour d'être là. Fait que c'est vraiment plus tout ce que j'ai vécu là, tranquillement. Puis là, t'essayes de pas être agressif avec les autres, mais t'as pas le choix parce qu'il faut que tu survives quand même, là. Je dois avouer que je faisais pas vraiment partie des élèves populaires. Moi, j'étais plus un rat de bibliothèque. Moi, j'étais une jeune qui avait une opinion sur presque tout. Ouais. Sauf que ça intéressait personne. J'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer. Je trouvais que
comment dire, la vision des gens était très différente de la mienne. Puis je trouvais que la plupart des jeunes y réfléchissaient de façon que ça avait pas de logique, c'était ça avait vraiment pas de sens. Ce qui fait que mon premier réflexe, c'était d'aller m'isoler. Une des fantaisies que j'avais, c'était d'écrire, inventer des histoires, raconter des romans policiers comme ceux que j'aimais lire. Puis un de mes rêves, c'était de devenir la première Agatha Christie ou Mary Jane Clarke adolescente. Sauf que je pensais que j'avais pas de talent. Ce qui fait que je faisais pas vraiment lire, sauf que ça m'empêchait pas d'écrire. La raison pour laquelle j'écrivais autant, c'est que l'état d'esprit dans lequel je me retrouvais pendant que j'écrivais, il était grisant. C'était une des façons que j'avais de pouvoir m'évader du monde réel, de pouvoir être bien. Mes écrits, ils me faisaient du bien, mais je voulais pas les partager avec d'autres. Je voulais pas les faire lire parce que j'avais vraiment peur que les gens apportent une critique négative. Puis dans l'état où j'étais, si j'avais eu une seule critique négative, je pense que j'aurais plus jamais été capable d'écrire. En début d'année, ce qui a changé, c'est que je me suis inscrite au Cadet. Je suis pas restée bien ben longtemps, sauf que ça m'a permis de me faire deux amis, Isabelle puis Stéphane. Avec eux, j'ai découvert qu'on partageait la même vision du monde, des choses, ce qui fait qu'on s'est mis à s'unir de plus en plus ensemble. Annie est arrivée comme au milieu de l'année dans ma vie, mais entre nous deux, ça l'a cliqué vraiment tout de suite comme ça. Là, on a appris à se connaître, mais c'était comme si on se connaissait déjà comme depuis des années, là. Comme elle se sentait pas nécessairement bien dans notre gang, elle a formé la sienne, mais moi, je suis toujours restée proche d'elle quand même, là. Annie, c'est quand même une petite sœur pour moi un peu, là. Puis, je dirais que 25 ans plus tard, ben, on s'aime toujours autant. Puis, des fois, juste des petits tests niaiseux qu'on fait sur Facebook, là, mettons, c'est qui ton ange gardien ou des choses comme ça, ben, ça me donne toujours Annie, tout le temps, tout le temps. Peu importe, le malheur qu'on a pu vivre chacune de notre côté au secondaire, on était toujours très rattachés une à l'autre, puis on n'avait pas vraiment besoin de se parler pour se comprendre non plus, là. Le jeu de cartes, qu'est-ce qui est bien avec ça? C'est qu'on n'est pas obligé de parler. On peut se retrouver à plusieurs. On peut partager un moment précieux entre amis, mais sans avoir à se confier, sans avoir à partager verbalement, juste partager le moment présent. Depuis le primaire, que je me sentais tout le temps tout seul, que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas personne qui pouvait me comprendre. Puis là, je suis arrivée avec des amis. Puis le bien que ça m'apportait, c'est que je me sentais enfin compris. J'avais l'impression de plus être tout seul à voir le monde d'une façon différente. Ce qui fait que j'avais l'impression que ce que je voyais était juste, était bien, puis que ma vision pouvait peut-être apporter quelque chose ou être modifié parce qu'elle était partagée. C'était ça, je pense, le plus important. Ce qui me faisait me sentir vraiment bien, c'était le sentiment que ce que je pensais était partagé. S'en aller dans quel cours? Histoire. Français. Science. Science? Pourquoi tu fais cette place-là? Science, parce qu'on sait que Mathieu, il est dans le cours de science. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? On vient de passer devant les trois brutes qui nous ridiculaient d'habitude, puis là, ils ont fait aucun commentaire désobligeant. Ouais, mais c'est normal. C'est parce qu'on est ensemble, on est en gang. Moi, ce que j'ai remarqué, OK, c'est que quand on est les trois, ils sont moins portés à rire de nous. Ouais, c'est cool. Je préfère ça, tenir avec vous que d'être toute seule. Oh, savez-vous ce qu'on devrait faire? Quoi? OK, on devrait se réunir un groupe, puis faire le tour de l'école, ceux qui veulent intégrer le groupe, OK? Tous ceux qui sont solitaires, qui sont exclus, puis on pourrait former la gang des exclus. C'est une excellente idée, ça. Ouais? Ouais. Mais comment on recruterait des gens? Ben, on pourrait commencer par les personnes qu'on connaît, les personnes qu'on sait qui sont seules, genre, nos amis.
Puis je suis sûre qu'après, on pourrait faire le tour de l'école puis recruter les personnes qui sont seules et qu'on connaît pas. Pour les personnes que je connais, c'est correct, mais les inconnus, je suis pas vraiment à l'aise de leur parler, là, tu sais. Ouais. Marie, j'ai commencé à me tenir avec toi parce que t'es venue me voir au cadet, là. Ben, moi, j'ai jamais eu de misère à parler à du monde que je connaissais pas, fait qu'au pire, je peux faire ça. Moi, je vais m'en charger, je vais aller voir les personnes qu'on connaît pas, puis dans le pire des cas, on va rester les trois, puis ça peut pas être... Mm. C'est pas si pire que ça, là, on est les trois ensemble. Puis sinon, ben, on va se faire des nouveaux amis. Ouais. Mais... si ça fonctionnait, je comprends pas pourquoi personne l'aurait fait avant. Ben, ça veut pas dire, hein. T'sais, si on le fait pas, on pourra pas le savoir. Moi, je pense qu'il y a juste jamais personne qui agit encore. Ouais, t'as raison, j'embarque. Moi ouais. aussi. Vous êtes trop cool. Le midi même, on était en train de recruter des gens. Et c'est ainsi que la gang des exclus a été créée. La gang, elle a commencé. Au début, on était comme trois gars, trois filles. Ensuite, de temps en temps, il y avait des gens qui se rajoutaient. Ils venaient, ils repartaient. Par la fin de l'année secondaire 3, on était comme une quinzaine dans notre gang, mais la plupart, on ne savait même pas d'où ce qu'ils venaient. Puis pourquoi ils étaient là, mais tu sais, on sortait tous ensemble pareil, puis c'était le fun. Notre façon de recruter était assez simple. On approchait les gens qui semblaient être tout seuls, qui semblaient vivre de l'intimidation, puis ou qui étaient plus sujets à en subir. Puis on les invitait, on leur disait qu'ils étaient les bienvenus, puis j'expliquais, dans le fond, mon idée de nous regrouper pour qu'on soit plus seuls dans notre coin. L'effet de gang, en fait, comme la gang des exclus, ce que ça permet, c'est de reprendre un peu du pouvoir. Ce qui a été fait dans ce cas-là, c'est que tu vois que les individus de la gang ont pris le contrôle un peu de leur vie. En fait, ils ont remonté leur estime d'eux-mêmes. Ils ont valu quelque chose pour un groupe, donc ils se sont rendus compte qu'ils valent quelque chose, en fait. Et quand on reprend du contrôle comme ça, on reprend aussi de la valeur, donc on remonte notre estime, puis il y a beaucoup de chances qu'on soit moins une cible, hein, on soit moins, fasse partie des victimes. On devient, au contraire, un petit peu plus leader, on prend plus notre place, puis surtout on améliore grandement notre estime. C'est pour ça que l'effet, ça peut être un effet super bénéfique. Puis c'est surtout que c'est eux-mêmes qui ont repris le pouvoir sur leur vie. Donc, ils ont repris du pouvoir eux-mêmes, puis ils sont capables d'avoir le pouvoir. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait. Donc, on s'améliore grandement comme ça. Puis après ça, on se rend compte que notre estime, elle augmente. C'est sûr, elle a augmenté parce que j'ai repris du pouvoir sur ma vie. En fait, tout avait pas mal changé. Juste avec ces amis-là, j'avais hâte de me rendre à l'école, j'avais hâte de les retrouver. Puis j'étais vraiment motivée à pouvoir prendre l'autobus puis me diriger jusqu'à l'école. On était déjà rendu plus d'une dizaine. Puis ce qui est intéressant en étant des gens qui étaient tout seuls puis qui étaient différents, c'est que cette différence-là apportait vraiment des points particuliers. Chacun apportait un petit quelque chose à la gang. Puis cette différence-là, c'est ce qui faisait qu'on était unis, qu'on était soudés, parce qu'on se ressemblait par notre différence. Lorsque je voyais vraiment aussi heureux que moi qu'on se retrouve, puis d'avoir des amis, j'avais l'impression que j'étais utile, que je pouvais apporter quelque chose dans ce monde-là. Plusieurs membres ont parlé de la gang à leur psychologue, puis à quel point que ça leur faisait du bien. J'avais pas réalisé comment est-ce qu'une idée aussi simple, puis qui paraissait aussi logique, pouvait apporter autant d'aide aux gens qui m'entouraient. Même moi, j'en ressentais les effets positifs. J'avais jamais réalisé jusqu'à ce jour-là à quel point que le sentiment d'appartenance au secondaire pouvait se révéler vraiment très important. Dans le fond, à chaque action négative, il y a une conséquence négative, mais à chaque action positive, il y a aussi une conséquence positive. Hello? Oui. D'accord. Marie, tu as demandé au bureau de Mathilde. Tu peux ramasser tes choses, tu reviendras pas en classe. OK. Pourquoi j'étais demandée au bureau de l'intervenante du deuxième cycle? Je n'étais jamais demandée dans son bureau. Moi, j'étais plutôt du type élève modèle. Puis, je comprenais pas qu'est-ce que j'avais pu faire pour qu'il demande ma présence. Puis avoir autour de moi, j'étais pas la seule à me poser cette question-là. J'ai été convoquée à la salle de conférence.
C'était la première fois que j'y allais. Puis quand j'étais allée là, il y avait toute une délégation qui m'attendait. Il y avait les directeurs, il y avait les psychologues, il y avait les intervenants, autant du premier puis du deuxième cycle. Ils étaient tous là, puis ils étaient tous focussés sur moi. Puis là, moi, j'y regardais, je me sentais vraiment petite, puis je me demandais, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il y a autant de monde qui sont concentrés sur moi? Puis quand ils ont vu mon insécurité, tout de suite, ils ont parlé, puis ils ont dit, non, t'as pas à t'inquiéter. T'es là parce qu'on a entendu parler que tu étais en train de recruter une gang. Moi, ça fait, hein? Quoi? Je dis ça à cause de la gang des exclus? Ben voyons donc, pourquoi? C'est quoi le problème? Et là, les psychologues m'ont expliqué qu'en fait, c'était pas un problème. Au contraire, c'est qu'il y avait beaucoup de membres de ma gang qui avaient parlé de l'effet que ça avait sur eux, l'effet bénéfique que ça avait sur eux. Puis la direction, puis le personnel voulaient, dans le fond, m'aider à recruter. Ils voulaient pouvoir, justement, aider les élèves pour pouvoir lutter contre l'intimidation, la discrimination. Puis, ils voulaient le faire au travers de moi. Puis, la façon qu'ils m'ont proposé était assez simple. C'est que quand il y avait un élève qui avait l'air d'avoir besoin, dans le fond, des services de la gang, bien, eux, ils allaient lui parler de moi. Puis, si la personne était d'accord, la façon de procéder, c'était que la secrétaire m'appelait, puis me donnait un lieu où je devais me rendre. Je me rendais à cet endroit, puis sur place, il y avait l'élève en question, où est-ce que je l'approchais, puis je l'invitais à venir se joindre à nous. C'était aussi simple que ça. Mais le fait que les adultes décidaient d'appuyer mon idée, dans le fond, ça prouvait que mon idée était vraiment bonne. Allô, Marie! Hey, je te présente Dani. Si tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît. J'ai tout de suite reconnu ce regard. Salut, moi c'est Marie. Marie, pour te servir. J'aime pas ça les choses conventionnelles, fait que je me présente pas de façon conventionnelle. Moi c'est Dani. J'aime pas ça les choses conventionnelles aussi. Enchantée de faire ta connaissance. Je pense savoir pourquoi tu es ici. Ben, je veux juste te dire que si tu veux te joindre à notre gang des exclus, ben, t'es le bienvenu. J'ai pas envie d'avoir une étiquette dans le front. On a besoin d'adultes, pas sur des amis. Hé, Dani, donne-toi la chance. Tu sais, y a personne qui aime ça avoir une étiquette. Mais c'est pour ça que je suis ici, parce que je viens te demander de te joindre au groupe. Qu'est-ce qui te fait dire que je veux rejoindre le groupe? Absolument rien. En règle générale, ce que je fais, c'est que j'aborde les gens dans le couloir, ou bien je demande de l'aide de la direction, ou bien je demande aux gens de me présenter aux membres de leur famille. Et si tu veux, tu peux venir avec nous. Je te présente au groupe, puis tu peux expliquer pourquoi... T'étais seule. T'es pas obligée de t'expliquer non plus, hein. C'est vraiment pour toi. Comment je fais? Je me pointe à votre table? Non. Ben, si tu veux, quand on va sortir du local, on passe à ta case. Après, on passe à la mienne. On prend nos affaires. On s'en va à la café, puis je te présente au monde. Yes, c'est bon. Bye-bye, là. Hey, merci, Marie. Bye, Dani. C'était exactement le même regard que j'avais quand mon psychologue me parlait puis me proposait d'aller joindre des groupes pour socialiser, pour vaincre la timidité ou pour juste apprendre à communiquer. Puis je m'y rendais, parce que je voulais prouver que je voulais vraiment changer, sauf que j'étais pas vraiment convaincue. Puis c'est en reconnaissant ce regard-là que j'ai eu l'idée qui m'a permis de pouvoir savoir comment rentrer en contact avec cette personne. Quand je repense à Dani, je repense à toutes ces fois où est-ce que j'ai demandé de l'aide à des adultes, puis que ces derniers... Ils m'en ont pas donné parce que supposément ils voulaient que j'apprenne par moi-même.
mais que ça m'aurait tellement fait du bien. Puis quand je regarde Danny, puis que je vois comment est-ce qu'il s'épanouit, qu'il devient vraiment heureux, je me dis, ça, c'est la preuve que l'aide des adultes, bien, est vraiment préférable dans certains cas que leur inaction. En fait, en milieu scolaire, ce qu'on fait, il y a beaucoup d'interventions qui est faites dès le jeune âge. De un, pour distinguer la moquerie de l'intimidation, on ne tolère pas ni un ni l'autre, mais les deux sont importants à travailler. Donc, dès qu'ils sont tout petits, on s'assure qu'ils comprennent c'est quoi l'intimidation, pourquoi on fait ça, dans quel contexte, il ne faut pas le faire aussi. On travaille ça dès tout petit, puis il y a des protocoles qui sont mis en place pour s'assurer aussi du niveau d'intervention qui est fait. Donc, on les sensibilise, on veut savoir. À 4 ans, on ne peut pas savoir que je suis en train d'intimider quelqu'un, là. C'est pas ça qu'on fait non plus, prendre le contrôle sur quelqu'un d'autre à 4 ans, ce serait étonnant. Mais au moins, on peut savoir, OK, il y a une moquerie. Dire à un enfant, t'es laid, c'est pas beau, c'est pas gentil, mais c'est pas de l'intimidation. S'il répète à tous les jours, puis il va le faire dans le cours de récré, à chaque récréation, pour prendre le ballon de l'ami, là, on est plus dans un phénomène d'intimidation. Puis là, il faut lui faire comprendre pour que ce genre de comportement-là ne soit pas répété. La même chose quand je disais le pouvoir, bien, le petit garçon qui a son ballon puis qui se le fait enlever à chaque récré, lui, il a comme appris qu'il devait le donner, mais que c'est une façon de faire. Non, le ballon, il appartient à qui? Il appartient à toi. Mais on travaille ça dès tout petit pour qu'ils puissent chacun prendre leur place. Dans les milieux scolaires, à l'heure actuelle au Québec, on a instauré à peu près dans tous les milieux des protocoles d'intervention contre l'intimidation. Un protocole, c'est fait pour s'assurer qu'à chaque geste d'intimidation, il y a toujours une conséquence suite à ça, pour que les enfants puissent voir l'impact de leurs choses. Donc, on met toujours des degrés, là, tu sais, le premier niveau, c'est s'excuser de ce qu'on a fait. C'est aussi de comprendre c'est quoi le geste qu'on a fait désagréable. Deuxième niveau, ben, tu sais que tu as fait de l'intimidation. Il peut y avoir des gestes très, très différents. Une lettre d'excuse, un geste de réparation. Un autre niveau, ça peut être de dire, ben, nous, on avait une école où l'intervention, c'était de dire, ben, garde, tu appelles tes parents et tu le nommes. Moi, je suis un intimidateur, j'ai fait tel geste. Des fois, ça fait pas de conscience à l'enfant que, ouf, je suis allée loin un peu dans mes gestes. Puis aux parents aussi de dire, oh, moi, je pensais pas que mon enfant faisait des comportements comme ça. Puis de venir de la bouche de l'enfant, ça fait une différence. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux d'intervention. C'est ça que le niveau le pire, c'est, bon, on s'en va à la police. Si l'on prend l'exemple concret que nous venons de recevoir un appel concernant un jeune qui subit de l'intimidation à l'école, s'il s'agit d'un flagrant délit, on va procéder immédiatement à un arrêt d'agir. Par la suite, la plainte va être traitée et puis les informations recueillies vont être analysées dans le but de déterminer est-ce qu'il s'agit d'une infraction criminelle ou non. Pour qu'il s'agisse d'une infraction criminelle, il faut retrouver les éléments constitutifs de l'infraction en vertu de ce qui est énoncé dans le code criminel. Donc, par exemple, s'il ne s'agit pas d'une infraction criminelle, ce serait le plan de lutte contre l'intimidation et la violence de l'école en question qui pourrait s'appliquer. Chaque école a un protocole en matière d'intimidation. S'il s'agit d'une infraction criminelle, le jeune pourrait être mis en état d'arrestation s'il y a lieu. Le plan de lutte contre l'intimidation et la violence pourrait également s'appliquer dans certains cas. Il y a aussi la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, communément appelée la LSJPA, qui prévoit des mesures extrajudiciaires pour les adolescents de 12 à 17 ans. Donc, dépendamment des infractions qui sont commises, ce pourrait être des mesures extrajudiciaires qui seraient appliquées. On peut prendre, par exemple, un exemple concret d'extorsion. Quelqu'un menace un autre jeune de s'en prendre à lui s'il ne lui donne pas, par contre, par exemple, son baladeur numérique. Eh bien, à ce moment-là, la LSJPA pourrait déterminer si elle va vraiment procéder en matière criminelle dans ce dossier-là, ou si on va y aller avec d'autres mesures pour le jeune. Ça dépend beaucoup de la nature et de la gravité de l'acte et des circonstances également dans lesquelles l'acte a été commis. Les entraînants, c'est la même chose que les pères aidants, mais on est chapeauté par tel jeune, ce qui fait en sorte qu'on a des formations approfondies qui nous permettent de mieux aider les autres autour de nous puis connaître les sujets sur lesquels on intervient. Quand je pense au secondaire que je viens de terminer, je me rends compte que ce qui est de valeur aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup un moyen de continuer par rapport à l'intimidation
ça peut encore se produire même quand on rentre à la maison à cause des réseaux sociaux puis des moyens technologiques. Puis par rapport à cette manière-là qui est parfois plus sournoise, on se rend compte que, dans le fond, des fois même les jeunes, ils se rendent pas compte que c'est de l'intimidation qu'ils sont en train de vivre. Ils savent juste qu'ils sont pas bien avec ça. Puis je pense que d'avoir fait partie des entraînants, ça fait en sorte que on peut expliquer aussi aux gens pourquoi ils se sentent pas bien, puis on peut nous-mêmes comprendre que les gens ont pas à nous traiter comme ça, puis que c'est de l'intimidation ce qu'on vit par rapport à ça, puis qu'il faut intervenir ou en parler. Dans le début de mon secondaire, ce que j'avais fait pour pouvoir, dans le fond, moins me faire écœurer, c'est que j'irais d'un groupe à un autre, ou est-ce que j'avais certains amis, mais je me sentais jamais, comment dire, à ma place. Mais ce qui était bien avec la gang des exclus, avec les gens qui, comment dire, étaient différents, bien, c'est que je me sentais enfin à ma place. Je me sentais vraiment, comment dire, j'avais un sentiment d'appartenance à un groupe, puis ça faisait vraiment du bien. Qu'est-ce qui était bien avec la gang des exclus? C'est que la seule règle était le respect. Donc, on n'était pas obligé d'être toujours, toujours dans la gang. On pouvait avoir d'autres amis ailleurs, puis d'autres groupes avec qui se tenir, mais chacun des membres savait que même s'il était ailleurs, c'est un moment ou un autre, ils ne se sentaient pas bien, qu'ils ne se sentaient pas à leur place, bien, ils avaient toujours une place avec nous dans la gang. L'option de pouvoir faire partie de la gang tout en faisant partie de d'autres groupes, c'est ce que j'appelais les membres à temps partiel. Les membres à temps partiel, ce qu'il y a bien avec eux, c'est qu'ils font partie de d'autres groupes, puis ils ont un plus grand réseau pour socialiser, mais ils se sentent toujours les bienvenus auprès de la gang des exclus. Une amitié comme celle qu'on avait développée, ça ne pouvait pas s'effondrer comme un château de cartes. Marie, ouais. Je pense à côté de ta cause, là. Ça a l'air qu'il est libre. Ta cause, à côté de ta cause, ça a l'air qu'il est libre. Je pourrais full déménager là. Non! Ben oui, je te le jure. Avec ma voisine de quartier. Oui, ça serait fou! Mais là, on va aller au secrétariat. Ben, oui, hein. Oh, c'est trop cool! Oui. Là, à ce moment-là, je m'étais dit que pour une fois, j'allais avoir enfin une voisine de classe que j'allais apprécier. Allô? On a entendu dire qu'il y avait une classe qui s'était libérée. Mais là, c'est qui? On va aller voir. Merci. Et là, j'arrive à mon casier. Puis qui je vois qui est ma nouvelle voisine de case? Celle qui m'a fait vivre un véritable cauchemar depuis le début de mes années au secondaire, c'est elle qui est là. Celle que j'ai réussi à me débarrasser. Celle qui me donnait des coups de casier. Celle qui me faisait vivre un véritable cauchemar à chaque fois que je pensais juste avoir oublié un vulgaire cartable. Elle est là. Comme ça, c'est toi qui as la case à côté de moi cette année. Ouais. Mais là, cette année, il n'est pas question que tu me donnes des coups de casier. Ouais. Depuis que t'as ta petite gang, t'as pas mal pris de l'assurance. Ouais. Puis là, je comprenais pas trop. Là, je me demandais comment est-ce qu'une personne pouvait passer tout d'un coup d'un comportement vraiment d'intimidateur à un comportement quasi-amical. En tout cas, pour elle, c'était quasi-amical. Même, je me le demandais tellement qu'au point que, encore maintenant, je me demande, je l'ai-tu rêvé? La gang, ben, elle m'avait profondément changé. Ainsi que mes amis. Hey, non, lâchez-moi! Non, lâchez-moi! Arrêtez, là. Laissez-le tranquille. Je sais que je prenais un gros risque, mais si je voulais vivre en accord avec mes valeurs, je me devais d'agir. C'était fini, l'intimidation. Ça va? C'est correct? Oui. Hey, merci, hein. Puisque j'ai vraiment eu à chier avec les toits de tantôt. Oui. Ça fait 2-3 semaines, là, ça... Non, je ne Nous autres, on voulait pas te faire peur, là. Oh, non, non.
En fait, on est la gang des exclus. On a comme formé ça, on s'entraide, on se tient les coudes. Si tu veux, tu peux te joindre à nous. Ben là, peut-être, là, mais vas-tu me faire mettre dehors de ça? Non, il n'y a aucune chance, là. Okay. On s'entraide, puis on est là pour se protéger. OK. Ouais, ouais. J'ai jamais été dans une gang avant, mais on peut bien essayer. Ben, c'est à la bonne place. OK. T'es-tu correct? Ouais, ouais. Tu veux-tu qu'on aille à l'infirmerie? Je sais pas. Ouais, ouais. Cet événement m'a fait réaliser que la gang était devenue tellement unie qu'on réussissait à pouvoir intervenir dans des situations d'intimidation physique de façon non violente. Plus le temps passait et plus je m'apercevais que l'idée que j'avais eue de créer la gang des exclus était vraiment bonne et qu'elle permettait d'aider les gens au-delà de tout ce que j'avais espéré. On avait pris l'habitude avec la gang de se regrouper, dans le fond, à une table ou deux de la cafétéria. Puis on s'assoyait, puis on se trouvait des sujets de discussion. Et on faisait parfois quasiment des débats. Puis chacun pouvait s'exprimer, donner son opinion. La seule règle, encore une fois, c'était le respect. Le respect verbal, le respect comportemental. Et ça nous permettait de pouvoir aborder divers sujets, divers opinions. Oui, je me souviens. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue. En fait, ça avait apporté vraiment tout un débat. C'était à propos d'un chanteur qui venait de se suicider puis qui avait entraîné avec lui une vague de suicide chez ses fans. Ben, moi, je pense que quand t'as une certaine notoriété, là, puis tu commences à devenir l'exemple pour du monde, ben, faut que t'agisses justement, ben, tu sais, de manière exemplaire, là. Ben, moi, je suis pas d'accord. Je pense que personne ne devrait vivre sa vie en copiant les autres. Tu peux t'inspirer, mais à un moment donné, il faut distinguer les mauvaises des bonnes actions. Ouais, mais tu sais... Notre cercle de discussion avait des effets bénéfiques. En fait, Paul en était un exemple. Lui, qui peut-être une semaine plus tôt aurait jamais osé prendre la parole, eh bien, il s'exprimait, puis il donnait son opinion. Alors que peu de temps avant, il n'y avait aucune confiance en lui. Avec le temps, Annie, sa petite gang, elle a grossi. Ils sont partis de 3-4 aussi. Puis vers la fin du secondaire, il devait être une trentaine ou une quarantaine de jeunes qui quand moi, je suis arrivée en secondaire 2, je voyais qu'ils étaient tous souvent tristes, tout ça dans leur coin. Puis là, tout d'un coup, waouh, ils se tiennent tous ensemble. Puis ils se font du fun. Puis. Quand on les regardait de l'extérieur, ils avaient tout l'air invincible. Mais c'est parce qu'on voyait le contexte. Là, au début, c'était vraiment pas comme ça. Là. C'était tout du genre, lui, il est tout seul dans son coin avec ses livres, il se fait donner des coups de pied. L'autre, il passe à quelque part, puis il se fait donner une claque en dessous de ses livres. Il était tout comme ça. Puis à la fin de notre secondaire à nous autres, parce que la plupart sont restés après, moi, en tout cas, j'ai vu la différence de l'épanouissement des jeunes qui étaient autour d'Annie. En fait, ben, on changeait tous. On changeait tous pour le mieux, mais comme tout changement, cela apportait des interrogations. Hey, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de mon frère. Ton frère... Ben oui, là, il a rejoint ta gang, genre, la semaine passée. Il a dit ça à mes parents, en tout cas. Oh, Paul! Oh, ton frère, c'est Paul? Ben oui, c'est Paul. Il y en a pas des millions, des Paul, là. C'est Paul. Oui, mais je sais pas, là. J'ai juste pas fait le lien. Dans ma tête, vous êtes vraiment différents. Ouais. Tu veux dire moins soupoulé? Ben non. Plus... Paul, il est plus pacifiste. Ouais. En tout cas, depuis qu'il est rentré dans ta gang d'amis, là... J'ai remarqué qu'il y avait de l'air vraiment mieux dans sa peau. Genre, qui sauve plus, pis tout. C'est vrai, hein? Moi aussi, j'ai remarqué, il est plus extraverti. Ouais, hein? C'est nice. Mmh. En tout cas, tu feras attention à lui, parce que je veux pas qu'il se fasse blesser. Sinon, tu vas le regretter le moment d'un cas. Ben, promis. Ouais. T'sais, notre but, c'est pas que personne souffre, là. T'sais, quand
quand on fait nos dîners puis tout, c'est vraiment comme le but premier, c'est de se retrouver dans un endroit cool au secondaire. Même que si tu veux, tu pourrais venir, hein. T'es la bienvenue, puis au moins tu pourrais voir pourquoi Paul il est plus heureux. Ouais. Tu sais, la solidarité qu'on a bâtie, là, ça va pas s'effondrer comme un château de cartes. Regarde, c'est correct, là, j'ai des amis, là, quand même. Ben, je dis pas l'inverse, mais si tu veux, tu pourrais t'en faire plus. Puis je comprends que tu veux protéger ton petit frère, là, mais si jamais tu veux venir, ben, t'es la bienvenue. Je vais y penser, là. En passant, merci pour mon frère. Ça me fait plaisir. Il est vraiment génial, Paul. Ouais. C'est nice que quelqu'un le remarque. Anne, qui à l'origine est venue se joindre à nous, surtout par curiosité, pour voir si le groupe pouvait apporter quelque chose vraiment de bien auprès de son frère, s'est mise à s'unir de plus en plus avec nous. On a senti que la gang crée un sentiment d'appartenance chez elle. Même si elle avait d'autres amis avec qui elle se tenait, elle s'est mise à s'unir de plus en plus avec nous. Puis c'est cet événement-là qui a fait que chez moi, j'ai décidé de faire une Hercule Poirot de moi-même et d'enquêter, c'est-à-dire de lui poser la question qui m'avait vraiment si longtemps chiffonné l'esprit. Salut! J'ai un truc à te demander. Ouais? J'aimerais aussi savoir pourquoi tu m'intimidais avec le casier. Ouais. J'ai jamais compris la raison. Ben, c'est pour me protéger. Mais je t'ai jamais rien fait. C'est pas personnel à toi, là. C'est juste que dans la vie, il y a pas juste mon frère qui s'est fait intimider. Moi aussi. J'ai appris à rendre les coups, puis à un moment donné, il fallait que je me trouve un souffre-douleur, puis j'ai décidé que ce serait toi. Je dis pas que c'est une bonne idée, mais c'est comme ça que ça m'a permis de survivre à mon secondaire. Ton idée de gang des exclus, c'est une bonne idée, clairement meilleure que la mienne. Mais en tout cas, tu sais comment c'est dur quand on s'affirme pas. Ah, parle-moi-en pas, j'essaie d'oublier. Ouais. T'aurais pu te venger, t'es en aidant pas mon frère, mais tu l'as pas fait. Puis ça, je t'en remercie. Mais ton frère, là, c'est vraiment une bonne personne. Puis toi aussi, quand on apprend à te connaître, t'es une bonne personne aussi. Ouais. Toi, t'as vraiment gagné de la confiance en toi, ça paraît. Ben, ça te fait bien. J'ai pas vraiment changé, là. Ouais. Sur notre problématique d'estime, c'est assez simple que ce soit dans les deux sens. Donc, un intimidateur peut être un intimidé. Un intimidateur peut être aussi un ancien intimidé parce que lui, la façon de prendre le contrôle, d'augmenter son estime, ce qu'il a vu à travers, c'est de prendre le contrôle des autres. Fait qu'il c'est souvent un intimidé qui devient un intimidateur là, parce que dans les faits, son estime n'est pas nécessairement meilleure. Puis il a découvert cette façon-là de prendre le contrôle sur sa vie un peu, là. Fait que c'est comme ça qu'un peut revenir à l'autre. Vers secondaire 3, ben là, c'est là que j'ai commencé plus à parler avec Annie, justement, que là, tranquillement, pas vite, je changeais de case, mais je la suivais indirectement parce que je continuais à me faire intimider en secondaire 3, mais plus par des secondaires 4, à me faire tirer les choses à terre. C'était moins pire au niveau des notes, moins pire au niveau de l'habillement, mais là, j'avais comme le style straight, là, jeans, t-shirt. Mais après ça, secondaire 3, ben là, j'ai commencé un peu plus à m'affirmer. Je m'habillais, c'est moi qui choisissais mon look, c'est moi qui voulait faire mes choses, fait que je m'affirmais un petit peu plus. Puis tranquillement, pas vite, je me rendais compte que j'avais pas les mêmes goûts que mes amis avec qui je me tenais présentement. Puis là, j'ai commencé plus à connaître Annie, à connaître la gang, puis il y avait mon frère indirectement qui était là, fait que ça me donnait comme une raison en plus d'aller voir la gang. Fait qu'en soirée 3, 4, 5, ben là, j'ai commencé à plus m'introduire à la gang des exclus, la gang qui se tenait plus ensemble, là. En fait, les intimidateurs, ça peut être des personnes qui viendraient des leaders si on leur permet de bien se découvrir et bien comprendre leur estime. Si tu as la capacité de leader un groupe dans le mauvais sens, tu as aussi la capacité de leader dans un bon sens, de lui permettre d'appuyer des bonnes causes, d'avancer, de faire de nouvelles choses. Donc, si on travaille bien l'intimidation, on peut permettre aussi d'avoir des nouveaux leaders de ce monde, là. C'est une belle façon de leur permettre de réussir. À ce moment-là, je me suis demandé, il y a combien d'élèves qui, comme Anne, intimide les autres juste pour pouvoir se protéger puis ne pas se sentir seul.
Je me suis aussi dit que la gang des exclus pourrait les aider si seulement je pouvais trouver un moyen de les approcher, de les aborder, comme j'avais fait avec Anne. À chaque fois que j'allais à la bibliothèque, je ne pouvais pas m'empêcher d'apercevoir cette jeune fille. Elle était toujours assise toute seule dans son coin en train de lire, puis relire ses livres, mais tout le temps toute seule, isolée. Même pour manger, je l'avais surprise à plusieurs reprises à aller manger dans le local des intervenants du premier cycle, toute seule. Puis une fois qu'elle avait terminé, elle partait, puis elle se rendait à la bibliothèque à nouveau, isolée dans son coin, en train de lire, perdue dans son monde. Je me suis dit que je pourrais l'approcher pour l'inviter dans la gang des exclus. Je trouvais qu'elle correspondait au profil, même que je me demandais pourquoi il n'y avait pas personne qui avait essayé de me la présenter puis qui m'avait parlé d'elle plus tôt. Salut! Salut. Allô. Je voulais pas te déranger dans ta lecture. T'as l'air concentrée dans ton livre. Ça, c'est sûr. Je voulais savoir si tu voulais te joindre à notre gang des exclus. Pourquoi? T'étais toute seule, puis... je me disais que tu voudrais peut-être rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres amis. J'ai déjà une amie. Mais peut-être que tu pourrais en rencontrer d'autres, puis en avoir plus. Merci, pas intéressée. Mais est-ce que tu sais c'est quoi, la gang des exclus? Non, mais je m'en fous. Est-ce que je peux reprendre ma lecture maintenant? J'ai pas encore fini un chapitre. OK. Si jamais tu veux te joindre à nous, t'es la bienvenue. OK. Et là, je me demandais, mais qui au secondaire va refuser la protection d'un groupe? Ouais, elle avait vraiment piqué ma curiosité. Comme les grands détectives des romans que je lisais, je me disais que je devais absolument résoudre cette énigme. Mathilde, j'ai une question pour toi. Mm-hmm. Tantôt, j'étais à la bibliothèque, OK? Puis il y avait une fille qui était là, elle était toute seule. Puis elle est tout le temps là, toute seule. J'ai voulu l'approcher pour lui demander d'être dans la gang des exclus. Puis elle me dit qu'elle voulait pas, qu'elle avait déjà une amie, puis qu'elle voulait pas avoir d'autres amis. Comme, qui est-ce qui veut pas avoir d'autres amis? Je pense que je sais de qui tu parles. Tu parles de Marguerite. Ça se peut, je sais pas, je connais pas son nom. Mais tu sais, Marguerite, là, elle est différente, elle est autiste. Autiste? Mm-hmm. Comme dans le film Rain Man avec Tom Cruise. Même pourtant... Elle n'a pas fait de crise quand je suis rentrée dans sa bulle. Non, mais il y a différentes façons d'être autiste, là. Mais une caractéristique commune, c'est vraiment au niveau social. C'est là que je me suis fait expliquer qu'il y a différents niveaux d'autisme. Il y a des autistes qui sont incapables de parler, puis d'autres, il n'y en a aucune difficulté. Il y en a qui sont des vrais génies au niveau des nombres. Il y en a d'autres au niveau de la musique. Mais peu importe, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il existe autant d'autistes différents qu'il y a de gens normaux différents. Eux autres, ils n'ont pas besoin de plein d'amis. Juste un, ça suffit. Oui, mais la gang des exclus, là, on pourrait l'aider dans sa difficulté sociale. Je te reconnais là. Mais, tu sais, on ne peut pas aider tout le monde. Puis, quand elle va être prête à s'ouvrir aux autres, elle va pouvoir le faire. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Oui, mais... se plate pour elle. Mais je pense à ça, j'ai une idée pour toi. Je vais aller jaser avec elle, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Cool. OK. Merci beaucoup. De rien. Je me demandais, est-ce que Marguerite avait réellement compris ce que je lui expliquais? Est-ce qu'elle avait vraiment réalisé c'était quoi la gang? Puis que si un jour elle décidait qu'elle voulait changer de mode de vie, est-ce qu'elle avait compris qu'on existait? Bye bye, Marie. Depuis le début de la création de la gang, j'avais abordé beaucoup de gens qui étaient des solitaires.
Mais à aucun moment, je me suis dit que ça se pouvait qu'il y en ait qui n'aient pas envie de se tenir en groupe. L'apprentissage sur le spectre de l'autisme m'a permis de pouvoir réaliser que se tenir en groupe n'était peut-être pas la seule solution pour pouvoir passer au travers du secondaire. En secondaire 1, quand j'imaginais ce que serait le moment que j'aurais mon album de finissant, comme on voyait dans les films, puis que ce dernier circulerait parmi les différents élèves, je me disais que j'allais retourner chez moi avec un album quasiment vide, avec 2-3 signatures anonymes. Mais la réalité était totalement différente. Quand j'ai récupéré mon album, il n'y avait pas juste des signatures anonymes, il y avait des messages, des beaux messages, des messages qui montraient que j'avais marqué beaucoup de personnes. Puis pas juste la gang des exclus, des gens autour de moi, des gens que je pensais que pour eux, j'étais invisible. Puis quand je lisais le message, je me rendais compte que non, ils m'avaient remarqué. Je les avais marqués. Puis, ce, sans jamais m'en apercevoir, j'avais la difficulté à réaliser que c'était la dernière journée, que ce serait fini. Pourtant, une bonne partie du secondaire, la seule chose auquel je pensais, c'était que le secondaire se termine, que ce soit fini. Puis là, j'étais la dernière journée. C'était la dernière. Puis la seule chose que j'espérais, c'était qu'il y ait une autre journée, qu'il y ait encore d'autres moments avec ces amis merveilleux qui m'avaient permis de pouvoir passer au travers d'un moment si difficile. Tu m'as manqué. Vous manquez. Ça a dû être pareil sans toi. Mais promettez-moi juste de continuer la gang des exclus l'année prochaine. Pas de discrimination, pas d'intimidation pour personne, pour toutes les solitaires. Cette fameuse porte qui me faisait si peur dans les débuts d'année de la franchir pour entrer dans l'école, j'étais là, devant elle. Puis là, ce que j'avais peur, c'était de la quitter. Ce que je craignais le plus, c'était de perdre contact avec mes amis. Cette belle gang avec qui j'avais partagé de beaux moments. Il y en avait plusieurs qui terminaient le secondaire comme moi. Puis par ce fait, ils se dispersaient partout, à travers de la province, et même certains dans d'autres pays. Puis, est-ce que j'allais pouvoir garder contact avec eux? Je l'ignorais. Puis pour les autres, bien, eux, ils resteraient au secondaire, pendant que moi, j'étais au cégep. Est-ce que ce fait-là allait creuser un fossé? Est-ce que ces gens qui, pour moi, avaient marqué ma vie, est-ce qu'ils allaient se souvenir de moi dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans 20 ans? Je me suis fait une introspection. J'ai revécu tous les moments depuis le début du secondaire dans ma tête. J'ai réalisé qu'au début du secondaire, j'étais une fille bien ordinaire qui, au fil des années, a eu une idée un petit peu utopique, qui l'a réalisée, qui a grandi, qui a créé une gang, qui a aidé beaucoup de gens. Tout ça, qu'est-ce que ça m'a prouvé? C'est que dans la vie, si tu as une idée, bien, c'est à toi d'agir. Si tu veux que quelque chose change, provoque ce changement-là. Le seul pouvoir qui existe pour pouvoir changer le monde est entre tes mains. C'est toi qui l'as. Tu agis et tu vas changer le monde, tout simplement. Finalement, bien, les autres avaient raison. Dès l'année suivante, le groupe s'était dispersé. Par contre, le bon côté, c'est qu'ils continuaient de recruter, chacun de leur côté. C'était plus une grosse gang, mais l'idée de ne pas laisser personne seul continuait. Il y en aura toujours l'intimidation, c'est ça que ça existera toujours.
Notre souhait, c'est qu'un jour, il n'y en ait plus du tout, mais c'est un souhait pieux, là. C'est possible qu'il en reste toujours un petit peu, puis ça va faire partie de la vie. Mais ce qui est important, c'est de travailler, comme je vous dis, travailler les comportements, qu'on va travailler aussi, s'assurer les habiletés sociales, que les gens connaissent bien comment travailler, qu'ils connaissent bien aussi les difficultés des gens, parce que des problématiques particulières aussi peuvent amener de l'intimidation. Donc, dès qu'on est capable de travailler et d'intervenir efficacement, bon, on permet que ce soit meilleur. Peut-être qu'il en restera un petit peu malgré tout, mais l'important, c'est vraiment d'intervenir. D'intervenir rapidement puis adéquatement en connaissance de cause. À la Sûreté du Québec, nos actions visent principalement à sensibiliser les témoins, les victimes et les agresseurs au phénomène de l'intimidation. On les incite également à dénoncer les situations. Les policiers conduisent des actions de prévention sur une base régulière. Ils le font particulièrement par le biais de conférences de sensibilisation. Pour faire ces conférences, la Sûreté du Québec a développé à l'interne ou avec des partenaires des programmes que nous utilisons afin de donner ces conférences. On a par exemple le programme qui s'appelle la trousse cybersûreté. On a également les clips intimidation. Il s'agit de petites vidéos qui sont présentées aux adolescents et à leurs parents, s'il y a lieu, concernant le phénomène de l'intimidation. On a aussi le programme PIMS. Les PIMS, c'est un programme d'intégration en milieu scolaire. Souvent, il y a un policier qui est dégagé dans une école pour s'occuper des problèmes, des problématiques qui surviennent à l'école. On a également le programme de prévention Unité sans violence qui s'adresse plus aux 5e et 6e années. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont témoins d'un acte de violence, ils peuvent dénoncer et agir s'il y a lieu. J'avais un regain d'espoir. J'avais réalisé que peu importe les obstacles que la vie allait m'apporter, eh bien, je pourrais passer au travers, car la gang des exclus était la preuve que j'avais en moi la force intérieure pour pouvoir passer au travers de n'importe quoi. C'était la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. V'là 20 ans, quand j'étais à l'école secondaire, une époque assez difficile de ma vie, je me souviens que j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais rien qui aurait pu m'attacher à cette vie-là à l'époque, je me rappelle. J'avais un plan que je comptais passer à l'action, qui aurait pu vraiment changer ma vie. J'étais à la croisée des chemins, comme on pourrait dire. Finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de rentrer dans cette gang-là. Ça a changé ma vie. Aujourd'hui, ma vie est très différente de l'époque. J'ai une famille. J'ai des enfants, j'ai un bon travail, j'ai tout pour être heureux. Tout ça, je le dois à cette époque-là où que j'ai été interpellé pour rentrer dans la gang des exclus. Je pense que si tu peux apporter quelque chose à quelqu'un, puis des fois, tu vas juste te retrouver que t'as pas le choix d'aider la personne. Fait que si t'es dans cette situation-là, ben t'es peut-être mieux de savoir comment intervenir. Puis c'est vraiment gratifiant après de savoir que t'as peut-être aidé quelqu'un à reprendre sa vie en main ou à trouver le bon chemin. Je sais que je suis pas objective, c'est une de mes meilleures familles, là, mais je pense qu'elle a fait une maudite belle job. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont reconnaissants pour ça. Puis même moi, même si j'ai pas fait partie de la gang, vraiment, moi, je suis très reconnaissante à Annie de tout ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais au secondaire, parce que je pense que si je ne l'avais pas eu, sérieusement, je l'aurais peut-être pas fini, mon secondaire. Je sais qu'elle ne sait pas, elle va le découvrir en regardant, là, mais non, Annie, elle était une personne très, très, très précieuse dans ma vie au secondaire, puis 25 ans plus tard, je suis extrêmement contente et fière et heureuse de l'avoir encore dans ma vie. Quand je commençais au cégep, ben, je ne savais pas trop dans ce que je m'en allais. Je voulais m'en aller en biologie, je n'étais pas certaine. Mais la vie m'a emmenée à travailler dans un camp de personnes handicapées, des gens qui sont plus vulnérables. Je travaillais autant qu'adulte qu'enfant, mais j'avais le coup de cœur enfant. Donc, ça m'a emmenée là, qui m'a emmenée à devenir infirmière clinicienne. Au début, je me disais je vais travailler en pédiatrie, mais j'ai découvert qu'il existait un monde qui s'appelle la réadaptation. Et là, je me suis dit, oh, je vais aller en réadaptation, j'ai fait un stage. Et pendant le stage, j'ai découvert les écoles adaptées. Donc, aussitôt que j'ai découvert les écoles adaptées, ça a été mon coup de cœur parce que dans ces écoles-là,
c'est des jeunes un peu qui sont comme la gang des exclus. Ils font pas partie, ils sont brillants, ils sont intelligents, mais parce qu'ils ont un handicap physique, qu'ils ont un handicap intellectuel ou qu'ils ont une lenteur, ils sont exclus, ils sont traités, ils sont exclus, ils sont intimidés. Fait que j'ai eu le coup de coude des écoles, puis j'ai eu la chance, quand j'ai eu mon emploi en centre de réadaptation, d'avoir un poste dans les écoles adaptées, mais au niveau secondaire. Donc encore, j'étais encore plus proche des jeunes vulnérables de ce que moi j'avais vécu. Donc en le voyant avec les jeunes, bien là, je me dis comme, hey, j'ai une chance de peut-être pouvoir aider. Puis quand ils me parlent de choses, on dirait que ça m'atteint un petit peu plus que, mettons, quelqu'un d'autre qui ne l'aurait pas vécu. Mais ça a été mon coup de cœur de travailler avec ces jeunes-là, puis ça m'a emmené là indirectement. Je suis capable de le dire maintenant, mais il y a 20 ans, je ne pourrais pas dire que ça m'aurait emmené là. Mais là, présentement, ça m'a emmené là, puis je suis contente que ça m'ait emmené là. Même j'ai découvert que la gang des exclus était devenue une légende urbaine. Les années ont passé et j'ai continué d'écrire. J'ai pris de plus en plus confiance en moi. Puis à un certain moment, je me suis dit, je suis prête. C'est là. C'est là que je vais écrire l'histoire de la gang pour que ça puisse aider d'autres personnes, que tous ceux qui se sont sentis seuls sachent qu'ils n'étaient pas les seuls à se sentir ainsi. Puis quand est venu le moment d'écrire, je me suis dit, comment je pourrais commencer? Oui, je sais. Je vais commencer avec cette simple phrase. Je me retrouvais devant cette porte que je connaissais si bien.